Faire d'animaux pour instruire les hommes. En passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûr. Un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette a des mille nez à la fenêtre. « Oh, Dieu hospitalier, pourrais-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, qu'on le déloge sans trompette où je vais avertir tous les chats du pays. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Cette leçon vaut bien un hommage, sans doute. Le corbeau, fait très très bien le corbeau. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.